C'est rouge? Ouais. Ok, le Outro dans 8S, 1600 kV, le petit Kyosho Scorpion avec les roues SRC et la fripouille en 6S avec ses pneus déjà bien chauds. Quoi qu'ils ont eu le temps de refroidir. Ah, ils sont pas déjà lisses, non? Ah ouais? Ah, j'ai deux roues motrices, oh là, ça freine pas ça. Moi je m'oublie moi. C'est pour ça qu'ils mettent des petites roues devant pour que tu oublies pas. Non, c'est mieux en fait, t'as plus dur. Hein, ah ouais non, ça me suffisait pas pour tourner. Elle a attiré mon œil et du coup je partais en carouette. Chaque fois je m'oublie au freinage, j'arrive comme un débile. Ah, j'ai loupé. Il vient d'où celui-là? Ah. C'est pas la journée, Mani. Ah, j'ai compris, tu es plus fort. Si, 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 si. Ah là c'est mieux maintenant, on zigzag nouveau. En fait j'ai remarqué que t'arrives à le faire tout droit et c'est pas cool. C'est moi ou t'as triché là? Ah, j'ai refait une porte. Oh, yo, yo. Il s'enlève plus. C'est le bruiteur que je devrais mettre. Oh, bon, 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 bon. Bon, c'était plot, ils sont neufs, ils sont déjà rabotés. Je sais pas d'où tu es, ça. Moi non plus, ouais. Oh, plus ou moins, bon là-bas on sait que c'est la ligne droite au bout de toute façon. Ouais. Et trop funky. Mais là ça se conduit pas mal. Hein. Avec les suspensions plus dures c'est nettement mieux. C'est haut tu vois mais au moins on est tranquille. C'est pas parce qu'il est haut qu'il tient pas la route.
Ah, il manque quand même un petit peu au bout. Ah, j'arrive pas à freiner, rien. Hein. Je vais mettre des freins hydrauliques à l'avant. Ah, cette fois-ci, j'ai réussi. Il manque quand même un plot. Ouais. Attends, il y a un problème de direction. Voilà. Bon, la sucette géante. Je sais pas pourquoi je me suis vu dans la sucette. Je touche même plus. Oh là là, manque. Bon, il faut que je resserre le sauve-cerveau de toute façon. Hein. Ça tourne plus. À l'arrêt, ça tourne, mais quand j'accélère, je pars tout droit. Tu vois là, je suis à fond, je la braque pas. C'est rouge. C'est débile. Mais je peux pas régler plus fort le volume du bling bling. Freine. Je préfère prévenir. Ah, ça va mieux quand même. Ah. Mais j'ai à peine levé la patte par-dessus, il a giclé. Hein. C'est moi ou je suis en train de te distancer? Ah ouais, tiens, ça t'arrive. Il n'y a plus de zigzag.
Bien joué. Attends, je vais remettre le plot là. Ça le fait quand même avec les jambes dorées au début, j'ai rien de doute. Ouais, ça va bien, celui de la carotte. Voilà, on va remettre celui-là aussi. Ah, et du coup, l'autre il est. Où ça pour ça? Voilà. Voilà. Là, on est bien. C'est dommage pour l'écrou de l'ami. Ah mais demain j'espère qu'il va pas. S'il reste, il faut qu'il fasse sec cette nuit. Ça demain je peux aller faire tous mes essais. J'irai vite au. Attends, je vais remettre ce plot aussi. J'irai au. Au Leader Price. C'est toujours des secs là. Bon je colle tout de suite les 8S. Ah mais j'ai pas de pignon plus petit. Faut que je regarde d'abord ce qu'il y a en pignon tu vois. C'est bon? Tout va bien? Oh, tout de suite. Large parce que je sais comment tu tournes quand tu arrives à blinde. T'as vu à la fin des vidéos, je commence à rajouter des liens vers une autre vidéo. J'augmente les skills. Comme ça, la présentation du Road Road, je ferai le lien vers la vidéo du Road Road. Tiens. Ouais. Ça me permet surtout de faire une présentation en trois langues et après une seule running vidéo. C'est vrai qu'en roulant ça dérange pas le merdage de peinture.
On dit on est la clé de 10, on aurait déboulonné un truc sur la voiture. Les boulons de capot, c'est du 10. C'est moi ou c'est la batterie qui a plus longtemps la tienne? Ah, l'autre c'est celle qui était malade. Ah! Bon, après on a mis un paquet de faux gaz aussi. Hein. Comme. J'ai du mal à l'équilibrer. On est comme. Ben sinon tu me la laisses une fois et je la passe sur le chargeur qui charge chaque cellule comme si c'était une batterie. Ça je peux la remonter un coup. Ah, c'est sûr. Les chargeurs normaux en fait ils chargent tout à fond. Quand ça arrive à fond, il diminue la charge pour la dernière. Ouais. Et après, ça met 3 plombes. Si elle n'est pas, si elle est pas à 0,2, 0,3 volts des autres, ça met 3 plombes. Non, il y a une série qui est à 4,20, les autres sont à peine à 4. Ouais, tu vois. Ouais. Alors que le chargeur que j'ai là, comment il s'appelle, Radio Link, tu peux, tu sais, ça charge chaque cellule comme si c'était une batterie séparée. Donc il peut charger une à 1 ampère, l'autre à 2, l'autre à 3, l'autre à 0,1, rien à foutre. Ouais, j'ai fait un peu ovale. Je croyais que tu faisais un ovale aussi. Qu'est-ce que c'est bien ce silence de cette machine? Là t'as fait un rond hein. Ah. Ah tiens, conduis un peu celle-là. J'ai vu l'AVC. C'est tout rigolo. Non, j'en ai pas besoin mais de temps en temps faut tester. Moi j'ai fait une fois sur le train, du coup j'ai fini. Ça tient bien? Laisse le freinage quoi, faut pas oublier que c'est du 2 ronds. Je suis à l'abri. Là, faut anticiper le freinage. Moi, j'aime bien les changements de position. T'as vu la suspension quand elle bosse bien. Et du coup, le machin, il est collé par terre. Anticiper un peu plus et moins arracher les gaz. Voilà. Ouais, c'est pas grave, il tombe pas. C'est là qu'il me fait un demi-tour, tu vois. Non. Avec la carrosserie. Mais... Alors, comment que c'est? C'est bizarre. C'est rigolo aussi, hein. Ah ça c'était bien anticipé. Bon, faut que je fasse le radiateur devant un peu mieux. Puis on rajoutera le logo du garage grâce à Luc qui me les a fait. Ah ouais, il me les a envoyés par la poste, nickel. Faut juste que je vois la taille que je vais mettre. Et après bon ça va être... Faudra que j'aille en pinaillant pour mettre les petits pointillés. Mais j'adore, il est tout mou. Franchement c'est nickel. Ah c'est bon, c'est cool.